Au Burundi, il n'est plus bon de se retrouver au centre-ville de la capitale sans raison valable. La présence dans cette zone est désormais filtrée. Les sans-emploi et les mendiants deviennent des persona non grata dans cet endroit. La mairie de la capitale a organisé une rafle le 30 juin dernier afin de ramener ces personnes indésirables dans leur quartier d'origine. Pour le maire de la capitale burundaise, cette mesure vise à assainir l'environnement au centre-ville et demande à sa population de ne plus encourager la mendicité. Il y a des gens qui encouragent la mendicité en donnant 500 francs ou 100 francs. Nous voudrions demander, lancer un appel à ces gens de ne plus donner cet argent. Si vous avez un cœur et que vous voulez donner, il faut passer dans l'administration, il faut passer dans les zones. On va vous montrer les gens nécessités pour les aider. La crise politico-économique que connaît le Burundi a notamment aggravé le taux de chômage dans le pays, obligeant de nombreuses personnes à mendier pour joindre les deux bouts de la journée.